Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui avec une petite vidéo présentation de produits de la boutique Né Joli. J'ai été contactée par Né Joli pour... ils m'ont demandé si j'étais intéressée à présenter certains de leurs produits, j'ai accepté avec plaisir. Donc je commence par dire merci à la boutique Né Joli de m'avoir envoyé certains produits. Je vous donne aussi un code promo pour vous. Mon code, c'est TXT10, tout en lettres majuscules. Je vais vous l'écrire ici, quelque part dans l'écran, et aussi sous la vidéo dans la barre d'infos. Ce code-là, sur la boutique Né Joli, vous donne 10% de rabais sur tous les produits à prix régulier. Ça compte pas sur les articles en promotion, par contre. Aussi, je tiens à vous dire que je vais mettre dans la barre d'infos tous les liens vers les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, on commence par un tout petit vernis à ongles que je trouvais absolument mignon et adorable. C'est un petit 6 ml. C'est une belle couleur. J'ai pas de ces couleurs-là dans... J'ai pas de couleur qui ressemble à ça dans mes vernis, donc je voulais l'essayer. La texture, moi, je dirais que la texture est plutôt du style jelly. Jelly. J'ai mis 3 couches pour avoir cette couleur-là. Il s'applique super bien et ce que j'ai adoré, c'est que, vous le savez, vous me connaissez maintenant, j'ai toujours l'habitude de tout sentir quand je reçois des produits. Ben, ça n'a pas fait exception, je l'ai senti et il sent absolument rien. Il sent pas du tout le vernis à ongles, donc si vous êtes le genre de personne qui aime pas du tout les vernis à ongles parce que ça sent fort, celui-là, je vous le recommande, il sent, il n'y a pas vraiment d'odeur. Ou il y en a peut-être une, mais vraiment pas grosse. Ensuite, je me suis pris une petite plaque Born Pretty Star, qui est disponible sur Né Joli, bien sûr. Donc, elle arrive dans un petit carton ici, comme ça, tout mignon. Le petit carton, vous pouvez avoir des petites instructions, des petites étapes en arrière si vous n'êtes pas habitué au stamping. Ensuite, moi, j'ai choisi la plaque BP110. Je vous la montre en détail. Elle est superbe. Ici, ça me fait penser à des motifs un peu de water marble. J'aime tous les motifs qu'il y a sur cette plaque-là. Je les aime tous sans exception. Ensuite, j'ai choisi une autre plaque de stamping, mais une plaque rectangulaire cette fois. Le petit carton dans lequel il arrive, c'est absolument... c'est vraiment... j'adore. C'est un beau petit carton, je vais le garder. Sur ce modèle-là, j'ai pris la L005, qui est une plaque water marble. Je vous la montre, pardon, je vous la montre en détail. Ça, c'est super comme motif, ça aussi. Je vais, dans les vidéos futures, vous pouvez être certain que je vais utiliser certains de ces produits-là pour vous faire des vidéos, parce que vraiment... j'adore les plaques de stamping de cette boutique-là. Et dernier produit, je me suis commandé les poudres qui font les ongles effet chrome. Je vous montre ça, je ne l'avais pas encore ouvert. Ça arrive très bien emballé. Et il nous envoie avec un petit applicateur. Ça, je trouve ça génial. Je n'avais pas remarqué sur le site qu'il disait qu'il y avait un petit applicateur avec. Et on a un petit contenant ici. Je ne sais pas c'est quelle quantité, par exemple. Je vous le mettrai quelque part sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc, ça c'est les poudres qui font les effets chrome, les ongles effets chrome. Il y en a partout sur Internet ces temps-ci. Je tenais absolument à tester ça. Donc, je vais vous rapprocher pour vous montrer de quoi ça a l'air de plus près. Ah, en plus, c'est scellé. Ah, tant mieux. Donc, voilà de quoi ça a l'air. Moi, j'ai choisi la couleur numéro 3. Normalement, cette poudre-là, une fois appliquée sur l'ongle, devrait donner un rendu bleu. Bleu foncé. Donc, ça, j'ai très très hâte de le tester. Donc, voilà, c'était les petits produits que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'avais ma petite poudre, mon petit vernis... et mes deux plaques que je vous remontre. Donc voilà, c'était les produits que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Vous allez définitivement les revoir dans mes vidéos futures. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Je vous mets tous les liens où vous pouvez trouver ces articles-là sur la boutique, ainsi que mon code promo. Et moi, je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.